Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la remise à zéro du voyant service après l'intervention de vidange sur une Suzuki Ignis. Tout d'abord, contact éteint. Vous allumez le contact via le commutateur. Première impulsion. Seconde impulsion. Vous attendez au niveau de ce tableau de bord là, de cet écran, vous attendez qu'il revienne à zéro. C'est-à-dire là, pareil, il faut qu'il s'efface. La mention position contacteur allumage, il faut qu'elle s'efface. Voilà, donc ça, une fois que c'est effacé, à gauche du compteur, vous avez trois petits boutons. Donc vous appuyez sur le bouton Info. Vous laissez appuyer. Et là, vous arrivez dans un sous-menu. Pour naviguer le menu, vous faites avec les flèches supérieures et inférieures. Donc vous descendez au niveau de la mention désirée. Changement huile. Validation avec Info. Réinitialisation, vous restez appuyé sur Info. Voilà. Intervention terminée. Vous coupez le contact et la remise à zéro était faite. Merci.